Salut une fois de plus la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. Je veux mettre une vidéo d'un bandit qui a échappé à la justice populaire de justesse parce que la gendarmerie est arrivée. C'était chaud, ça allait être chaud sur lui. Je vous mets la vidéo juste après le générique. She said she want me back. I never paid a promise of a faithful tire. To the day she got me called, I thought she was a Donc tu as les parties de la maison, hein? Donnez son benson. Il paye ses factures. Le massacre va commencer. Je ne vais pas faire ça. Donc allez faire ici, je ne vais pas commencer. Eh bien, la famille, il l'a échappé belle. Nous voyons, non? Vous savez, l'affaire de justice populaire, là, c'est toujours très présent dans notre société africaine, surtout camerounaise, comme je connais. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, vous savez que, parfois, quand on arrête un voleur, un bandit, on part le livrer à la gendarmerie. Ça ne fait même pas le lendemain. Donc, ça ne fait même pas 24 heures. Le lendemain, il est déjà dehors. Il continue à voler. Jusqu'à, il vient même vous menacer. Vous connaissez le Cameroun, non? Afrique en général, la corruption et les trucs. Là-bas, comme ça, il négocie un peu là. Sa famille vient, mais on verse une petite somme là, on le relâche. Vous le voyez encore dehors là, prêt à recommencer. Pas pourquoi les gens ont décidé que bon, maintenant c'est la justice populaire. Quand on t'arrête, on te tape. On te tape. Oui, on te tape. Oui, juste que c'était même trouver la mort pendant ça. C'est un mais les roues sur eux, les pneus, comme vous avez vu là. Les pneus là, et on allume, on te brûle vivant. Oui, brûle vivant. D'autres, c'est qu'il y avait, il y a certains longs clous là, qu'on utilise dans la construction là. Surtout quand on fait la charpente là. On te met ça sur la tête, comme ça là. Je vous dis, ça doit être horrible. On te laisse. D'autres, c'est que il y a beaucoup de meurtres. D'autres, c'est que on t'injecte l'essence. On te laisse. D'autres, c'est qu'on te masse avec une bouteille qui a l'eau chaude. Il y a de ces choses. Les gens ont inventé de ces choses pour traiter avec les bandits. Donc, ce bandit était chanceux. Il a été chanceux. Il avait trouvé sa mort comme ça. Oui. Ah. Le Cameroun, ça ne blague pas. Et vous commencez, vous connaissez, il n'y a que ces derniers temps-ci, l'insécurité au Cameroun, ça devient abusif, comme dit là. Et ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, parce que je ne comprends pas, il ne voit pas beaucoup de cas d'agression, de pour les trucs, de petits actes de délinquance là. Mais au Cameroun, ça pullule ces derniers temps-ci. Et la police, le pire, c'est que la police ne fait rien. La police ne fait rien pour stopper ça. Le gouvernement, rien. On va faire comment? Le chômage. Le chômage, la famine. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun. Chère. Bon, là. La famille. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Mettez le pouce là, comme ça là. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto!